Vous avez acquis la notoriété en travaillant pour des très grands magazines japonais, notamment le Weekly Shonen Jump. Et à un moment dans votre carrière, vous avez voulu quitter ce système, vous avez quitté la Shueisha pour devenir indépendant. Pourquoi? Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un auteur indépendant? Vous avez acquis cette indépendance que vous recherchez?独立したような感じですか。独立したという感覚はないんですけどね。作家っていうのは自由に失敗者選べるべきだと思うし、あんまり縛られるのも嫌いなので、飛び出したっていうのもありますけれど、本人は独立した気はしませんけど。 d'être indépendant. De toute façon, il pense de toute manière qu'un auteur va pouvoir choisir son éditeur. Mais lui-même, il n'a pas spécialement une impression d'indépendance. Il n'aime pas de toute manière être attaché, d'avoir beaucoup de contraintes. Donc, il avait vraiment envie de dégager tout ça. Comment fait-il pour dessiner des femmes aussi sexy? Énormément. On est deux alors. Nous alors. Vous allez bien vous entendre. Voilà, petite question toute simple. Est-ce que vous avez des points communs avec le personnage de Ryo Saeba? Vous avez présenté Angel Alert comme une série se situant dans un univers parallèle de City Hunter. Pourquoi ne pas en avoir fait une suite directe? Au départ, il voulait faire la suite de City Hunter.
mais bon, il a dû arrêter de façon un peu brusque la publication de City Hunter. Et donc il a arrêté, et comme il a voulu écrire la suite, il s'était déjà écoulé 10 ans en fait entre City Hunter et le début de l'écriture d'Angela. Et comme City Hunter est vraiment ancré dans les années 80, les contextes de l'histoire, on sent vraiment l'époque. Quand il a voulu écrire la suite, c'était déjà dans les années 2000, donc il y avait un problème au niveau de... Bah déjà, les personnages étaient très vieux, donc il allait devoir écrire les petits vieux, donc ça ne l'arrangeait pas trop. Il n'allait pas non plus écrire la suite dans les années 80, parce que là, dans un contexte différent. Donc il a remis à jour l'histoire, comme ça se passait dans l'époque actuelle, et pour que ça soit normal, bah, il l'a présenté comme dans un monde parallèle pour que ça soit cohérent. Et il a payé pas. C'est le feu. C'est comme si dans les films, ce qu'on appelle le self-remake, que voilà, il avait repris lui-même ses œuvres pour le mettre de façon différente. monsieur. L'actualité du moment, c'est l'annonce de la fin du Comic Bunch cet été, au moins dans sa forme actuelle. Du magazine Comic Bunch. Comic Bunch. Quel avenir pour Angela en fait, qui est publié dans ce magazine. D'accord. Et donc, il peut juste dire que Angel Heart va continuer. C'est une forme différente. C'est la réponse que je viens de donner est encore inédite au Japon, donc c'est une réponse très, très précieuse. oui. Par rapport à l'ensemble de ces œuvres, on constate que généralement ça se passe toujours à notre époque. Vous savoir s'il a déjà envisagé de créer une histoire qui se passerait à une époque plus ancienne, plus historique. Ah. Oui. C'est juste un peu昔起こった昔のあの世代で起こった話を書こうとかそういう歴史的なものとか書く予定とかありますか？今のところはないし、今結構日本ってそういう伝え劇ブームっていうんですか、漫画の世界でまさらやったらなんだこいつも始めちゃったよ、それでちょっと今は考えてない。 C'est un peu à la mode au Japon en ce moment, dans le monde général, de faire des histoires dans les époques anciennes, un peu historiques. Donc il dit qu'il n'a pas spécialement de projet de faire ces choses-là, parce que s'il commençait, les gens allaient se dire « Ah, lui aussi, s'y met, c'est à la mode. » Donc voilà, il n'a pas spécialement de projet. Il avait fait une très bonne histoire en fait, sur la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Du coup, ça pouvait être un, c'est pas un sujet. Mélodie de génie, mais c'était sur l'histoire d'un kamikaze. Il a toujours envie de. Voilà, il aime bien cette histoire, il voulait continuer cette série-là, mais bon, il y a toujours un problème de l'auteur, qui dit que c'est pas la peine, et puis il a dû arrêter. Mais que, voilà.